Voilà. Bonsoir, donc cette intro que de l'or. Bonsoir tout le monde. Tchou-tchou. Pas dans l'ordi. Coucou la communauté du pinceau. Comment ça va ce soir? Alors. Est-ce que vous avez la forme? Un coucou Félix qui verra le replay. Coucou Florence, Nicole, Delphine, Caro, Ago, Caramel, Hélène. Bonsoir Laure, j'ai commandé vos 3 albums de coloriage et j'ai envie de savoir avec quelle marque de feutre et de crayon de couleur vous travaillez. Merci Valérie pour ta commande. Eh bien, je travaille avec des marqueurs à alcool qui sont des pro-marqueurs de chez Winsor & Newton. Je travaille avec des aquarelles et des Prismacolor. Coucou Patricia, coucou Brosselia. C'est celle qui me dit qu'elle va avoir un replay parce qu'elle a mal au poignet. Coucou Stéphanie, Nouchette, Isabelle, tu l'as dit, Brosselia, Roseline, Patricia et Florence. Je crois que j'ai dit tout le monde. Nathalie, Sophie, Catéliane. Coucou Sophie. Caramel doré, tu l'as dit aussi. Tu savais que Nathalie Verrec, en fait, elle m'a connue par le Diamond Painting? Ah. Excusez-moi, j'ai le nez qui me... Je ne me gratte pas le nez. Enfin, je si, me... tu te grattes. Enfin, je veux dire, je ne me mets pas les doigts dans le nez. Je me gratte le nez, je ne sais pas ce qui se passe là, ça me démange d'un coup. Bon alors, qu'est-ce que vous avez envie de dessiner ce soir? Et y a-t-il des envies particulières dans la salle? Ah, faut que j'aille fermer la lumière au-dessus du... Zazabel, deux dragons dans le ciel qui forment un cœur avec leur queue. Salut Sab. Ah, Brosselia aussi, elle m'a connue par le Diamond Painting, trop drôle. Nounouchette, un petit ange. Deux dragons dans le ciel avec un cœur. Si tu as un œil qui te craque, meurt, c'est que quelqu'un veut t'embrasser. Ah ah, qui c'est qui veut m'embrasser? Voilà. C'est vrai? Bisous alors. Ah non, il a une grosse envie de m'embrasser, hein, parce que ça n'arrête pas. Non, on ne va pas dans les détails. Oh, tu viens de saturer. Désolée. Je voulais monter un peu le micro parce que je suis coucou, un peu faible. Coucou mes petites filles, Stéphanie, Hélène, comment ça va? Trop bien, Gogodou, que tu sois là. Dragon de la nouvelle année chinoise, alors. Un renard et une rose. Allez, je tapote le sang, vu qu'on ne sait pas à quoi il sert. Et alors, ça a fait quelque chose ou rien? Ah, Nicole qui dit, bon, on vous laisse alors. Mouette, rochousse, bisous. Tu parles, c'était du rapide, hein. Oh, mais on est en live, mon amour. Non, c'était... Oui. trop mimi tous les deux, bon, ça va. Il nous trouve quand même mimi malgré ton bisou ultra rapide. Oh. Oh. J'ai quand même beaucoup cette page. Ah oui, dommage. Oh, ça se verra pas, tu crois. Non, je gomme, ça passe bien. Ah ouais, ouais. Rosie Belly, hello. T'es déjà passée par là, Rosie Belly? Oui, à 20h40, et 2 minutes. Non, mais... Enfin, il y aurait... Ce serait écrit premier message. Oui. Ça me dit rien, ton pseudo. Je me rappelle pas qu'on ait parlé ensemble. Ouais, c'est un poisson rouge, hein, faut pas s'inquiéter. Que ça soit ainsi, Gogodou. T'as de la concurrence, là. Ouais, troisième message que je supprime sur... Ils sont de retour. Sur Facebook. Ah, c'est Roselyne, ok. C'est pour ça qu'on se connaît. C'est juste, j'avais pas capté le pseudo. C'est déjà bien, t'as eu un bisou. Faut pas se plaindre. une miss en forme de fleur, les cheveux en forme de pétales et le corps et les bras en forme de feuilles. Ça, je voudrais des habits.
Oh oui, du vrai, du sexy, tout ça. J'ai envie de monter la colle. Qui c'est qui a dit ça? Brosselia. Pourquoi Gogo Doux? Ah oui, si. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pour les... C'est parce que c'est pour la concurrence. Il y a Bernard qui veut dessiner un chat musicien qui fait de la guitare. Ah, mais vous avez plein d'idées ce soir. Hein. Non, il y a... La contrebasse. Une fée avec un masque pour le carnaval. Une licorne. En fait, j'aurais compris. C'est moi ou ça mettrait des habillés ce soir. Mais tu le relis une deuxième fois, cette. Je viens plus. Je ne savais pas qui c'est qui avait dit ça. Un chat musicien qui fait de la guitare. Je l'ai dit, Cécile, mais Sam ne l'a pas lu. Les confrères, concurrence. Non, et de toute façon, Gogodou, il n'y a qu'à toi qu'on fait confiance pour lire notre avenir. Moi, je ferai un dessin que l'IA elle comprenne, parce que la dernière fois, c'était n'importe quoi. T'as dit quoi? Je veux un dessin que l'IA comprenne. Parce que la dernière fois, c'était n'importe quoi. Oui, bah, c'est un chat qui fait de la contrebasse, t'auras du mal. Oh, pas sûr. Sur l'ordi, je vois un cœur en bas à droite, par-dessus le texte, mais pas sur le tel. Ah, pratique ça, parce que... Ah oui, Sam, il n'était pas là hier, il sait pas. Eh ben non, il sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Pourquoi Hélène et Stéphanie, elles m'appellent maman. Ah non. Je me rappelle plus. C'était quoi déjà? Attends, je me rappelle que je leur ai dit appelez-moi maman, mais alors pourquoi? Ah si, ça y est, je sais. Parce que je les ai confondus. J'ai cru que c'était Stéphanie qui avait dit un truc alors que c'était Hélène. Et elles ont dit, ah, c'est comme maman, elle nous confond. Et je leur ai dit, appelez-moi maman. Je me suis rappelée. Récupérez votre mari pour tous vos problèmes de couple. L'infidélité du partenaire. Arrête de lire leur message. Non, mais regarde, il a vu que tu m'avais fait un petit bisou vite fait. Et du coup, il a fait récupérer votre mari. Ayez des bisous langoureux et sensuels. Bon, tu ne pourras pas l'appeler, tu ne pourras pas récupérer ton mari, désolé. Un enfant déguisé en clown, c'est sympa ça aussi. Ah, oh, vous avez plein d'idées, trop bien. Bonjour Alexandra. Il y a Nicole qui dit sacré lourd. Coucou Léline, j'ai du mal avec le réseau ce soir. Ah mince. Un dragon couché sur une grande fleur avec une petite fée. J'aime beaucoup ton idée, Alexandra. Ah, vous êtes à fond sur les dragons ce soir. Ah oui, c'est parce qu'on est passé au Nouvel An chinois. Un dessin pas trop compliqué car j'aimerais me coucher pas trop tard. Mais sinon, pas grave, je finirai plus tard. Coucou Mélanie. Déjà, il faut qu'on commence pas trop tard. Mmh. En même temps, on est fatigué. Oui. Et à gauche, c'est tonton Jean-Bernard. Mais on est plus jeunes. Pour l'instant, ils sont jamais passés sur nos directs avec Ribouille, la famille. Mais en fait, c'est sur Facebook qu'ils passent. On n'en a jamais, hein, sur Twitch et YouTube. De quoi? Des moumous, des gags, des... Ah, mais c'est sur Facebook uniquement. C'est que sur Facebook. Un dessin choupinou, mais pas trop compliqué. Tout le monde est pour un truc pas trop compliqué. Alors... Vous m'avez donné plein de trucs sympas. Ça y est, ça m'a mis sa petite laine. Mmh. C'était ma mamie qui y avait tricoté. Cette petite laine. Bon, allez, on va se lancer. Alors. En fait, c'est que vous avez dit plein de trucs qui me font envie. Alors, quand trop d'idées, tue l'idée, quoi. C'est que j'ai envie de faire trop. Ah, bon, du coup, on a eu le live. Ouais, bah désolé, du coup, vous m'avez donné trop de bonnes idées. On fait pas. Encore, hein, ouais, encore. Qu'est-ce qu'il dit cette fois? C'est encore récupère ta famille ou pas? Ouais, c'est un peu dans le délire. Mais tu crois qu'il regarde le live quand c'est comme ça? Non, à mon avis, il y a une page live en cours. Et il clique sur tous les liens, il faut copier. Je peux se faire bannir. Et après, il crée un compte Facebook et. Une fée ou un enfant qui fait une guirlande de carreaux, j'aime bien ça. Merci Florence pour ton abonnement Prime. Oh, merci. J'avais réduit.
les airs, toujours, parce que j'étais pas là. Ils ont pas compris que c'était ici, game. Ouais, ils sont trop nazes. Il est beau le pull de Sam. Oui, qu'ils comprennent pas en même temps. Je vais la fermer, ils vont débouler. Non, comme dit Sam, a priori, ils écoutent pas le live. Donc. T'as fait des gaufres, Stéphanie? Oh, trop bien, ça me donne envie. Ouais, ça fait un bon temps que je n'ai pas fait des gaufres. Hein, ouais, ça fait longtemps que nous n'avons pas fait tes bonnes gaufres. Des gaufres sans boss. Plein de gaufres pour nous. On se dépêche parce qu'on n'a bientôt plus deux. Ah, je croyais que c'était il faut qu'on se dépêche. Oui, enfin, je pourrais aller en chercher. Bonne idée, Alexandra, mais je regarde juste ce soir. Moi, j'ai peut-être mal lu Nicole à vérifier. Bon, allez. Qui qu'on fait trop de bonnes idées. Oh, ça va, j'ai un coup de barre, ça va être dur. Non, t'inquiète, une fois qu'on sera lancé, ça ira. Bon, je te rappelle qu'il y a vraiment de live, je me suis endormi. C'est dehors, ça, si? Oui, c'est dehors. Je te rappelle qu'il y a vraiment de live, je me suis endormi pendant le live. Ah oui, c'est vrai. Et ça, s'il flotte dehors. Pourquoi on n'a pas entendu le bonsoir dans le casque? Ouais, coucou, ok, Wino. Mais normalement, on les entend, les Sounes, les Sounes. Vous l'avez eu, le Soune, vous? Pourquoi on l'a pas eu? Ouais, je crois que ça va être une fée ou un enfant qui fait des guirlandes de fleurs, j'aime bien. Non, il en... en plus, il est même pas en... Oui, d'accord. Alors, il nous faut des crayons. Tu sais qui dit ça? Ouais, mais comme ça, c'est bien, tu peux manger. Mais il est où le crayon? Ah, c'est vrai, il est où? Vous nous entendez plus? Ah! Nous avons la musique. Est-ce que sur YouTube aussi vous avez la musique? Ah oui, mais c'est... Pourquoi la musique s'est mise en route? Normal. Pourquoi? Stop! Merci de nous avoir prévenus, hein. On a parlé des anges, la part des anges qui squatte. Ah mais il y a le logo de la part, oui, il y a le logo qui s'est mis et tout, mais c'est quoi ce délire? Oh. Ago, tu te fais rouler dans la farine. Ah, c'est parce que j'ai mis la scène de dessin, et sur la scène de dessin, j'avais mis la musique parce que l'autre jour t'étais... Ah, c'est ça. Donc c'est normal. Tout s'explique. Allez, on va y aller. Ago est a priori triste parce que lui se mettait bien danser. Ah, je t'imagine bien danser, Gogodou. Ah, t'as ceux qui sont en retard avec YouTube et qui nous disent encore qu'ils n'entendent plus. Ça va arriver. C'est bon, il n'y a plus. Tout va bien, ça va arriver. Je vais rechercher des mouchoirs, un petit paquet de mouchoirs. Parce que le dernier live, Laure, elle a fait un live dessin pendant qu'on répétait, et à la fin de la répète, pendant qu'on discutait, on avait mis de la musique en fond. C'est pour ça. Au moins, on voit que tous les gens qui sont là, quand on, c'est pas mal de mettre de la musique. Faut que je fasse ça au milieu du cours de dessin, je remets de la musique pour voir qui c'est qui est. Au moment d'une explication un peu technique, hein, hop.
Comme ça, tu vois qui c'est qui est là. Comme ça, je vois qui c'est qui est là. On ne veut pas danser à go, on veut dessiner. Allez, c'est parti. Oh non, mais il est relou ce truc là. Ah, c'est qui tient pas en fait. Ah oui, d'accord, c'est qui tient plus. Hein? Il y a une vis sur le côté. Ah, il y a une vis. Ah, ceci explique cela. Ah, c'est mieux, oui. Ah, la vis, c'est serré, ça tient. Ah, bah dis donc. La technologie quand même. C'est incroyable. Allez, on y va. Donc, vous savez, c'est comme toujours. On commence avec un rond. Non, non, j'ai pas mis du live. Un rond pour la tête. On le fait plutôt en haut. Parce qu'il faut se laisser de la place en dessous pour le corps. Oui, sur ce quand je suis là, l'image à l'endroit. Hein. Vous n'êtes pas chez Ago ici, c'est la grille de qualité. Oh, oh. Désolé Ago, c'était facile. Oh, le méchant. Ago, il aime bien danser. Même s'il ne sait pas danser. En vrai, je pense que n'importe qui se laisse guider par la musique danse hyper bien. À partir du moment où tu lâches prise. Il y a un gros décalage sur YouTube parce que je trouve que Ago met du temps à réagir. Bah, peut-être il a décidé de pas réagir comme moi tout à l'heure quand tu m'as dit un truc méchant. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, Sam, mais je vous préviens, il est un peu vénère. Hein. Tiens, si, il a réagi. J'ai plus beaucoup de temps. Nathalie, ah, l'image. Ah oui, d'accord. Ça a bien changé, dis donc. Tu m'étonnes. C'est plus le même. Hein. Il faisait style que c'était quelqu'un de sympa au début. Mais c'est parce qu'il cachait bien son jeu. Donc, on a notre tronc, ni trop grand, ni trop petit. Ensuite, on va faire un trait pour le corps. Non, mon rond est... En fait, quand vous faites votre rond par rapport à votre corps, il faut essayer d'arriver à visualiser dans votre tête la taille de la tête par rapport au corps, qu'elle soit pas trop grosse mais pas trop petite non plus pour que ça fasse en fond. Ensuite, on va faire des traits comme ça, c'est les bras en fait, les bras écartés avec la guirlande, et vous pouvez faire au bout. Vous voyez tout ou pas là ? C'est mince, je vois pas. Bah oui, je suis en train de... Je voulais voir si on voyait longtemps. Oui, c'est bon. Donc, vous aurez l'espace du cou ici. Et ensuite, on a à peu près les bras, voilà. Les bras comme ça. Parce qu'en gros, elle tient sa guirlande. Elle tient sa guirlande de cœur. Et Brosselia qui fait que c'est sans doute parce que la lune est en machin et les astres en truc, mûche. C'est ça, la lune. Drôle pour Célia, je suis sûre que ça m'a beaucoup aimé cette blague. Pauvre Ago, t'as vu, tout le monde le plaint quand même, hein. Il a mangé du lion, Sam, c'est clair, je vous dis, ça a été toute la journée. Pauvre Ago, il y a deux personnes qui ont dit ça, tout le monde. Mais tout le monde le plaint, ouais. Deux personnes, c'est pas tout. Et tout le monde dit que t'as mangé du lion quand même, hein. Deux personnes qui ont plaint Ago. Va falloir venir avec un gilet pare-balles et grenade la prochaine fois. Tu fais attention à pas me toucher, hein, Gogodou, quand même. Hein. Tu vises que Sam. Hein. Mais ouais, mais en même temps, je te forme à faire des beaux lives et quand je suis pas là, tu mets des caméras à l'envers. Non, mais ça. Et après, les gens, ils vont croire que je forme mal les gens, tu vois. Oh, mais ça. Vous voyez, vous faites. C'est ma réputation qui est en jeu. Non, mais ça. Faites une espèce de demi-lune comme ça. C'est pas possible. Bouge tes oreilles, mon gogo dou. L'écoute pas, il est vilain. Après, c'est peut-être parce qu'il était en patricia.
Il était en blonde. C'est peut-être partie du cosplay et du gameplay. Non, du roleplay. Du gameplay. C'est pour ça que j'ai peur d'Ago, il m'a traité de testard, je ne savais même pas ce que c'était. Et oui, Nathalie, écoute les bons conseils du soir de Stéphanie, si à l'envers, retourne le PC et tu perds la boule aussi. Je suis sûre que c'est un coup de Sam, en fait. Un peu râleur, Sam. Un peu ! En plus, on avait fait un test à 18h, vous auriez pu le voir à 18h, la caméra était... Bah, c'est comme ça, la caméra est fixée à l'envers. Hein, bah, on y était, hein, t'aurais pu le voir. C'est toi qu'il fallait que tu le vois, Touquette. Si bon, tu Sam, fais les choses bien. Il veut fâcher tout le monde ce soir. Ah non, il n'y a que Ago. Bon, voilà. Dans l'idée, est-ce que vous avez bien... Il a saboté le sens de la cam et il savait que ça allait être le bordel. Ouais, je suis sûre c'est ça, en fait. Il fait exprès pour pouvoir te dire des choses méchantes après. Oui, tout à fait. Beaucoup râleur. Mmh. Ah, je vous dis pas la journée que j'ai passée. Donc voilà, donc on a mis nos pieds, nos bras, le corps, et on va passer à la tête maintenant. Je vais donc baisser un peu pour être un peu plus en détail sur la tête. Donc on a notre... Et comme d'habitude, on va faire notre trait au milieu du visage pour les yeux. On peut faire un trait au milieu, ça peut aider aussi pour avoir le centre. Ici, on va faire des gros yeux. On va vraiment faire des yeux d'enfant. Donc, assez gros, assez ronds. Tu trouves les gens qui sont trop bavards, là, que tu vas à fond. T'as dit quoi? Tu trouves les gens trop bavards, là, que tu vas à fond. Je vais trop vite. Nous sommes de tout cœur avec toi, donc je vous jure. Oh, merci. Franchement, je me sens... Regarde, pauvre Laure, ouais. Merci hein, de me plaindre, parce que c'est pas facile tous les jours. Il dévine, hein, parce que la vérité, la vraie, c'est que je savais comment régler le souci, mais j'ai attendu pour le faire briller, et voilà. C'est pas grave. Bien wesh, Gogodou, voilà. Je trouve que t'as vraiment fait... t'as fait une orphelie. Bon, c'est-à-dire que... Quand je suis pas... Il y a un problème, ça m'a... Quand tu... Il faut que je sois présent pour que tu résous le problème sans que je le résous moi-même. C'est... Laure, c'est sa spécialité. Sam, j'ai un problème. J'arrive dans son ordi. Ah, mais j'ai trouvé. Ah, je sais pas, t'as une espèce d'aura qui fait que dès que t'es là, on comprend. En fait, on a tellement peur de toi que d'un seul coup, tout... Alors, pourquoi m'appeler? Parce qu'on sent qu'on n'y arrive pas, et puis... Donc, pour le nez, un petit rond... Bonsoir, Caro Colo. Salut, Caro Colo. Je suis légèrement trop loin de l'écran, je dois deviner. Ce... Ah bah c'est pas mal, ça te fait un petit jeu. C'est l'adrénaline. C'est quoi l'adrénaline? C'est par rapport à quoi? Quand j'arrive. Ah oui, c'est ça. Trop. Qui c'est qui a dit ça? C'est Ago. C'est tellement ça, Ago. T'es trop top doué et gentil, Ago, avec Sam. Je sais pas, mais quand même, t'es seul contre tous ce soir. Stéphanie Guy, tu nous as laissé retourner nos PC et téléphone toute une soirée pour rien. Ago. Ah, Ago se fait un peu engueuler quand même. Stéphanie vient à ta rescousse, ça. Oh, mais je suis trop souffre de douleur. Bah, c'est surtout que tu nous fais beaucoup de douleur, oui. Quand Sam, il te
il te pète, c'est pire que quand tu joues à Metal Gear. Quand Sam, il te pète ? Ouais, j'ai pas compris. Quand Sam, là, il te pète ! Ça coupe l'électron en rond, ça va faire le... ça va pas le faire ce soir, je crois que je vais être obligé de le faire en replay. Qui ça ? Tu peux tenter, Lynn, d'aller sur Twitch, si des fois ça peut aider, ou de modifier la qualité du live en cliquant sur la molette en bas de la vidéo. Alors, des fois d'aller sur Twitch, ouais, ça évite, ça permet de résoudre des fois, on a la connexion via YouTube, ça marche pas, et sur Twitch ça marche, ou des fois, ou inversement. Mais ouais, faut faire soit ça, soit cliquer sur la petite molette en bas de la vidéo pour modifier la qualité de la vidéo. En descendant, on entend la qualité. Il y a un Gaudi, en gros, quand tu t'es fait choper en train de faire une bêtise. Et Nicole qui dit attends, elle continue sans nous expliquer. causez, hein, moi j'avance. C'est moche, c'est un cours, ma chérie. C'est le nom du live quand même. Non, j'avais dit qu'il fallait changer, que je ne faisais pas un cours. Hélène est en train de... Hélène dit la même chose. Hélène dit quoi ? Bah, que tu dessines sans rien dire. Ouais, mais maintenant, ça, tout ça, vous savez faire. Il y a des gens qui arrivent, mon amour. Pense aux gens qui te découvrent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés là ce soir ? Non, voilà. Alors déjà, tu ne restes pas assez de temps pour répondre. Déjà que les pauvres, ils sont en sueur parce que c'est vraiment... Ils se disent, si je lâche mon crayon pour répondre, elle aura fait 300 traits en plus, je serais paumé. Non, mais on a vu personne de nouveau aujourd'hui, on connaît tout le monde. Ouais, mais là, dans les gens, il y en a qui sont pas là depuis longtemps, quand même. Et puis il y a des gens qui ne parlent pas et qui dessinent. Tu sais, souvent, il y a une grosse masse silencieuse hein, dans les lives et dans les vidéos. Ben, il faut pas rester silencieux, sortez du silence. Oui, mais toi, sans du silence, j'ai dit que je peux faire. Suis tes conseils, là. Ouais, Nathalie, elle a fait que deux. Elle fait que deux quoi ? Cours. Ah, bon, d'accord. Et après, tu te marres de tes invités mystères suisses ou belges ? Employant des mots de chez eux. Alors, donc les yeux, il faut essayer de les faire symétriques. Et les deux yeux doivent faire la même taille et vous avez à peu près l'espace d'un œil entre les deux yeux. Ensuite, moi je mets toujours au niveau des paupières plus d'épaisseur en haut. Et ensuite la pupille, on fait un rond. Et on laisse un point blanc au milieu. Ah, Ophélie qui passe le bonjour. Coucou Ophélie. Coucou Ophélie, comment tu vas ? Ça va ? Toujours un peu dans le speed ? Bon, c'est Yannis, c'est son troisième dessin. Ah, ok. Effectivement. Faut peut-être que je ralentisse un peu alors. Ensuite... Ici, là, on va faire un trait comme ça au-dessus. Ça va être le trait où on va mettre les sourcils. Et donc sinon, là, on met la musique, hein. On vient comme ça. Vous faites deux ponts au-dessus de chaque œil. Et on peut épaissir un peu le bord inférieur. Est-ce que c'est le bord inférieur ? Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'essaie qu'on voit l'image, on ne voyait plus. De toute façon, je suis toujours cachée derrière le halo. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de faire comme des comme une ombre, ouais, ce serait comme des sourcils, mais sauf que c'est une ombre qui va un peu loin comme ça, comme s'il y avait un masque. Mmh.
Ça va, dis-le si tu t'ennuies. Ouais, je m'ennuie. Non, c'est pas vrai. J'ai juste un coup de barre. Je l'avais prévu. Elle dit ça va, oui, dans le speed. Un bisou rapide, tu dessines quoi? Je ferai un replay, j'adore ton chat poisson. Ah, merci. Le... ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était là, c'est plus qu'on peut. Mais c'est pas un chat poisson là. Et non, là on est en train de faire un enfant qui tient une guirlande de cœur. Là je fais une sorte de bandeau parce que c'est un enfant super-héros. Alors, ensuite, on va réduire les côtés. Pour pas faire un visage non plus trop rond. Et on revient pour faire une petite pointe sous le menton. Donc c'est pareil, il faut essayer. Alors, c'est pas évident, mais on essaye d'être le plus. Vous voyez, j'y reviens plusieurs fois sur mes traits parce qu'il faut essayer d'être le plus symétrique possible. Désolé, je lis pas tous les messages, mais je suis grave à la bourre. Il y a des messages. Moi, 3, je me marre toute seule avec vous deux. Ah, c'est trop mignon. En même temps, tu nous as beaucoup fait rire aussi avec ton message. Si Laure veut tester un truc, est-ce qu'elle est testarde, Ago? Moi, je sais toujours pas ce que ça veut dire, testarde. Je crois que vous aviez expliqué, mais je me rappelle plus. Thème Saint-Valentin, j'adore, je ferai un replay. Ah, j'avais pas pensé à la Saint-Valentin. Non mais regardez ça, sérieusement, regardez ça. Vous voyez? Vous voyez la position qu'il a là? Et regardez de plus près. Vous avez vu le trou dans la chaussette là? Non, oui, je peux pas. Attendez. Je vais vous montrer ça parce que quand même... Non mais il a aucune classe cet homme. Oh, c'est bizarre, tiens, il a caché son pied tout d'un coup. Ah bah tiens. Finalement, de temps en temps, tu sais être bien installé. Non, elle est pas testable. Non. Je sais pas si je dois être complimentée ou pas, du coup. Est-ce que c'est cool ou pas de pas être testable? Je ne sais pas. Ça veut dire têtu. Ah non, je suis pas têtu, moi. Non. Non, je suis pas têtu. Non. Non, je suis pas têtu. C'est quoi têtu? Vas-y, donne-moi un exemple que je suis têtu. Non, non, c'est bon, on prend déjà plein la tronche, je sens, je vais pas. Je ne fais pas. Ça dépend avec qui, peut-être. C'est possible aussi, ouais. Ça dépend aussi de quel sujet, je suppose. Mais sinon, non, il me semble pas que je sois très têtu. Hein. Non, mais si. Bah non. À chaque fois, je change toujours d'avis avec toi, parce que tu me fais toujours changer d'avis. Alors, si j'étais têtu, j'obtiendrais ce que je veux. Hein. Combien de fois tu dis que quand t'envoies quelqu'un, tu envoies... Ah non, ça, c'est pas être têtu, c'est être rancunier, c'est pas pareil. C'est proche, quand même. Non. Ah non, rancunier et têtu, c'est deux mots différents. Têtu, c'est quand t'as décidé plus que t'allais faire quelque chose, c'est plus dans l'action. Rancunier, c'est par rapport à quelqu'un. Comme le fait que tu veuilles absolument être pour trois fois à la piscine cette semaine. Je veux pas absolument, moi j'y vais, mais je t'oblige pas. Ah hein. Oh, si, tu m'as... En même temps, la semaine dernière, tu nous as fait ton petit malade, là. Oh non, il va vomir. Oh, c'est moche. J'étais malade et tu te moques de moi. Pourquoi t'as mis la caméra sur moi, hein?
C'est pas mon live, c'est pas moi l'orphelin bon. Hein. Pour vite montrer ton pied avec un grand ongle dans la chaussette. Ouais. Bah moi non plus, je suis pas têtu. Pour ça, mais c'est pas où mettre ses pieds. Après, être têtu, c'est pas un souci, c'est quand on est borné le problème. Alors, tu dirais que c'est quoi la nuance entre borné et têtu ? C'est un peu la même chose. Aussi, ouais. C'est fou, toi, quand tu fais, quand tu avec tes lèvres, c'est, je trouve ça toujours trop mignon, et pas grand chose, c'est pas trop moche. Alors, mon trait est beaucoup moins penché que le tien. Il est plus droit, en fait. Donc ça change tout ? Je pense que ça change. Quand c'est souriant, ça marche pas ? Et puis, en haut, je fais pas de petit... c'est juste un trait. Je fais pas le petit renfoncement. Non, mais c'est que j'ai eu tort, c'est ce que j'ai fait, ça marchait pas. Merde. Ce soir, c'est règlement de compte chez les Mandono. Têtu, à mon goût, c'est très accroché à son opinion, mais malgré tout, on peut arriver à te faire entendre raison si tu es dans l'erreur. On est d'accord, je reconnais mes erreurs. Maintenant, tu reconnais tes erreurs. Attends, mais c'est clair, l'autre jour, tu me l'as dit en plus. T'as vachement oublié pour ça. Borné, c'est que tu refuses de changer d'avis ou d'avoir tort. Non, ça, quand même, mais j'ai toujours accepté que j'avais tort. Non ? Oh, oh, t'as beaucoup évolué sur ça. Ah ouais, ouais. Avant, je reconnaissais pas. Ah ouais, oui, mais plus dans nos disputes. Plus quand on se disputait, mais sinon sur des sujets plus généraux. Je change, quand je discute, je suis pas en mode si, c'est que comme ça. Avec les gens, oui, mais avec moi, t'as pendant très longtemps... Oui, mais parce que toi, t'as toujours tort. On l'a vu son trou dans la chaussette. Tu veux que l'on se cotise pour lui envoyer quelques perles neuves? Oui, on est pauvres, tu vois, on n'a plus de voiture, plus de chaussettes. D'habitude, c'est pas de bras, pas de chocolat. Là, c'est pas de voiture, pas de chaussettes. Borné, c'est que tu cherches à comprendre et tu es focalisé sur ce que tu penses. Ah non, tu cherches pas à comprendre, pas très clair. Trop chou les petits cœurs sur les joues. Ouais, ça apporte un petit plus. Ils serviront à ça les 1 euro. Sam va créer une collecte pour acheter des chaussettes. C'est pour ça qu'on a besoin de vous sur Patreon, ça nous permettra d'acheter des chaussettes. Le visage est très travaillé. On va faire le corps et le reste et on va se rendre compte que ça va pas, va faire tout gommer. Mais non, Stéphanie, aie confiance. Porte pas la poisse, Stéphanie. Non, non, vous allez voir, ça va être nickel. On y croit. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire le coup. Ah non, t'as raison, Stéphanie. Là, je viens de faire le coup et je me rends compte qu'il faut tout gommer. C'est moche, là. Mais non, c'est une blague. Vous voyez ce qu'elle me fait subir ? Tu n'as pas le droit de faire ça sur mon live. C'est parce que vous n'avez plus de voiture que Sam doit beaucoup marcher. C'est exactement ça. Du coup, ça fait des trous dans les chaussettes. Si vous voyez l'état des chaussures. Aïe, aïe, aïe. Alors, ensuite, ici, on va faire le petit col. Et on va venir faire les manches. Je sais pas ce qu'a dit Yago, mais il a retiré son message. Il s'est censuré. À 40 euros le Patreon, t'en achètes 20 paires de chaussettes.
Alors, à 40 euros, non, parce que à 40 euros, t'as une repro. Alors, déjà c'est pas 40 euros. Alors, c'est 30 euros. Ensuite. Et t'enlèves la repro, il nous reste. Il faut enlever la repro, l'envoi de la repro, et payer les charges. Donc, il nous reste sur 30 euros, il nous en reste 14 euros 30, attends, je sais plus combien les repro. On doit être à. Attends, je crois que c'est ce que. En fait, c'est. Stéphanie qui dit Laure qui ne sait pas mentir, je crois qu'elle a grillé que c'était une blague. Ago, vas-y, dis-nous ce que t'as dit. T'abuses, moi je veux savoir du coup. Parce qu'en plus, il y a la com Patreon. Le souci, c'est quand une personne qui a toujours raison discute avec une personne qui n'a jamais tort. Autant. Eh, mais moi, l'été, je marche vachement pieds nus. Je marche vraiment beaucoup, beaucoup pieds nus. J'adore ça. Dès qu'il fait un peu chaud, là, c'est hyper agréable de marcher pieds nus. On se reconnecte avec le sol. Donc là, je prends un peu la direction des traits que j'avais fait tout à l'heure. Mais par contre, je viens faire des vagues, en fait, au niveau des vêtements. Oh, mon chat, il est trop beau, il s'endort. Voyons, il y a de l'ambiance, sûr. Elle a peut-être un peu des grands bras. Essayez de voir, vous plissez les yeux et vous voyez si la taille des bras vous convient par rapport à la tête. Moi, je marche pieds nus même l'hiver. En fait, dès que je peux, car j'aime pas les chaussures. Ah, excellent, même l'hiver. Ah, l'hiver, moi, j'ai tellement tout le temps les pieds gelés que là, j'ose pas. C'est très bon pour les pieds, en plus, de marcher pieds nus. Oui. Même pas que pour les pieds, je crois que pour tout le corps, parce qu'en fait, le fait que le pied touche le sol, ça envoie un. Je crois que ça renvoie des informations au cerveau, voire même au niveau du sang. Enfin, je sais plus, mais ouais, j'avais lu un truc comme ça. Quand t'auras le temps, Sam, c'est possible de vérifier mon Patreon, voir s'il y a bien les sous. Qui dit ça ? Bah en fait Zazabel, si ton Patreon est bon, tu reçois t'as dû recevoir les dernières repros. Enfin, en février on l'a pas encore envoyé. Oui, après celle de février n'a pas été encore envoyée. Ça doit être marqué sur Patreon. C'est le Patreon, la version mobile de Patreon, qu'est-ce qu'il aurait eu ? J'aime pas dire ça vraiment. Laure, fais-lui une chaussette ou collant troué à ton personnage. Tu te rends compte, Laure, que tu vas devoir vivre sans savoir ce que j'ai effacé. Si tu l'avais vu. Non, mais. T'abuses trop, Goku. Il n'y a pas pire de que faire ça, alors. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Je suis. Curieuse, je supporte pas. Elle a une curiosité maladive. Ah ouais. Ah ouais, là, je vais pas dormir cette nuit, quoi. Ouais. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce commentaire caché ? T'abuses, Gogodou. Bonne soirée, Ophélie. Ou ne pas marcher du tout, parce que Limoges et ses montées et descentes fatigant. Oh, ça, c'est clair. C'est la montagne, hein, Limoges, on dirait pas comme ça. Comme Plup et ses chaussettes trouées. Je me suis fait des grosses chaussettes au crochet pour chez moi. Faut pas marcher sur le béton, mais dans l'herbe, surtout pour le dos. Ouais, les deux, moi, béton, herbe. Mais j'ai dit n'importe quoi, mais j'avais simplement mal formulé ma phrase. Ah bon, ça va alors. Je peux pas le voir sur le téléphone, faut aller sur ordi. Il y avait pas du gros dossier. Moi, j'ai pu lire la moitié du message d'Ago. Ah, Stéphanie, t'avais la moitié. On verra en rediff ce qu'il a mis, Ago. Ah oui, c'est que ça lui apparaît dans le... Eh ben oui, en fait, si tu arrives sur le commentaire et tu fais pause, tu vois son message. Non, parce qu'il ne supprime pas dans mon script à moi. Ah. Alors,
Sauf que il y a tout le monde qui va regarder le live en replay juste pour savoir ce que... Ouf, ça marche. Ah, je vous jure. Alors, il a eu pitié de toi, Go. C'est comme ça que je fais. Zazabel. Vous me faites trop Sauf que YouTube marche plus. Comment ça, YouTube marche plus? Non, mais le chat, au bout d'un moment, il se désactive. Donc, en fait, on l'a pas sur la rediff. Ah, bah c'est pas grave, on sait ce que c'est maintenant. Il a parlé au moment où le chat s'est désactivé. Il l'a fait exprès. J'en suis sûre. C'est drôle. Qu'est-ce qu'on lui fait comme cheveux? C'est comme la dernière fois, j'ai trop envie de faire un... Divorcé, récupérer votre mari. Ça va, on n'est pas divorcé. Tu veux qu'on passe par là? Non, tu sais, c'est genre... et sinon, comment on fait pour ne surtout pas récupérer son mari? Ça se trouve, le prochain message, ce sera... Disparaissez à vie sans laisser aucune trace à votre ex. Bon, bah là, je fais un peu comme la dernière fois quand on avait fait la balade avec l'escargot. Je fais des mèches de cheveux qui partent un peu carrées, en fait. Par contre, je vais lui affiner son visage que je trouve un peu trop... Salut, Pioupiout. Hey, coucou, Pioupiout, ça faisait longtemps. Elle a dit qu'il y avait Deg de pas pouvoir suivre, qu'elle fera en replay de vite. Ça roule. J'ai un tout petit peu affiné mon visage pour que ça marche mieux avec les cheveux. Donc là, je fais toujours une mèche qui passe devant les oreilles. Là, une mèche qui passe devant le visage. Et là, je vais lui faire une grosse couette comme ça. En gros, je fais ça fait en gros, ça fait comme des rubans. Tant que j'ai un bug. C'est drôle comment ce terme, il est devenu ancré dans la... Ah oui, alors qu'à la base, c'est un truc d'ordi. J'ai un peu... Eh ben oui, comme tu dis, le langage évolue. Donc voilà, en gros, dans l'idée, ça fait comme ça, vous voyez, vous avez la mèche qui monte, là. Et Mélanie, ensuite... J'ai fait un garçon, dommage, j'aime bien la coiffure. Qui ça? Mélanie. Ouais, Mélanie, même si c'est un gars, tu peux quand même faire ça comme coiffure. Ou pas. Sens-toi libre. Moi, j'ai fait un gars, du coup, j'ai fait une coiffure. Je suis content de ma coiffure.
La mèche d'ago que l'on dessine. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je trouve qu'elle descend un peu trop bas. Ah, au fait, hier soir, pour ceux qui étaient sur le live de Gogodou et Gogodou, j'ai regardé donc la suite de ma série là dont je vous parlais. Et en fait, c'est Love and Anarchy. Bon, Amour et Anarchie en français. Le titre. Et j'ai commencé la deuxième saison. Et voilà. En fait, c'est assez intéressant. C'est pas du tout ce que je croyais à la base. En fait, ça aborde un sujet qui n'était pas celui que je croyais. Moi, au début, je pensais que c'était un sujet un petit peu léger, en mode c'est des amoureux qui se tournent autour. Et en fait, non, ça aborde d'autres sujets un peu plus profonds. Donc voilà. C'est pas la série du siècle, hein, mais. Mais en tout cas, j'ai retrouvé le nom parce qu'hier, ça me saoulait. Je ne retrouvais plus du tout. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, cette série? T'es où ta série? Sur Netflix. Oui, pas du tout. Isabelle, je la suis actuellement. Ah, tu parles de la série? Et alors, comment tu trouves, toi, Isabelle, et t'en es où dans la série? J'aimerais savoir si t'es en train de la regarder, pour toi, qu'est-ce que c'est le thème abordé principalement, en fait, dans cette série? J'aimerais bien voir si tu l'as analysé de la même manière que moi, parce que je trouve qu'on peut, voilà, on peut l'analyser de différentes façons, hein. Je t'ai envoyé un extrait de Cyberpunk sur Insta, alors. Ah, ok, cool. Je vais aller voir ça après. J'ai pas Netflix, c'est réglé. Ah oui, c'est réglé, du coup. Cyberpunk... On parlait de Cyberpunk. En fait, je confonds Cyberpunk... Oh, j'arrive pas à parler. Cyberpunk et Steampunk. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil, non. Pas. Mais en vrai, je suis pas sûre que je kiffe trop ça. C'est avec des yeux, souvent des faux yeux où t'as presque l'œil entier, c'est ça qui ressort. Bah, c'est cybernétique. C'est un, ouais, c'est ça, c'est un. C'est pas ton univers, ouais. Cybernétique, autant le. Au bout de cette série. De laquelle? Cyberpunk sur Netflix. Porte le nom du style. Parce que ça t'a saoulé? Bonne question. Pourquoi j'ai arrêté, je sais pas trop. Bah déjà, c'était pas une série que je pouvais regarder en travaillant. Donc il fallait que je me. Pourquoi tu pouvais pas la regarder en travaillant? Parce que ça passe beaucoup par l'image et peu par les dialogues. Ah oui. Un petit peu, il y a des passages de dialogue, mais quand même, ça passe plus par l'image. Et forcément, du coup, que je prenne le temps de la regarder, ça c'est compliqué.
D'ailleurs, c'est une série animée sur Netflix pour ceux qui aiment le genre. Bonne fin de colo, je vais dodo. Mais c'était pas du cyberpunk ce qu'on avait commencé à regarder là? Qu'est-ce qu'on a commencé à regarder? Le truc, mais je trouvais ça un peu lourd. Même. Hein? League of Legends, non, c'est du. C'est, ah oui, c'est ça, Legends, c'était League of Legends. C'est un peu plus. C'est un peu steampunk l'univers de League of Legends. Bonne nuit, Cécile, repose-toi bien. Je pense pas non plus que ce soit ton genre là. League of Legends, c'était plutôt cyberpunk, c'était plutôt steampunk. Hein. Ah oui, plus steampunk que cyberpunk. Ah oui, c'était, il y avait des machines à fumer. Ah oui, c'est vrai. Arcane. Meilleure série animée. C'est vrai que c'était mais magnifique. Mais moi, niveau ambiance, trop lourd pour moi. Les personnages qui prennent trop cher, j'ai un peu du mal. Oui, encore, je crois que t'étais même pas arrivé au... Ah, pourtant, dès le début, je trouve qu'ils prennent cher, donc... J'ai évité de spoiler, mais... Mais tu t'es de mémoire, on n'était même pas allé au pire de... Mais bon, c'est que ça commence sur la manif et tout, c'est que les premières images, c'est fort en émotion visuelle. Et si vous aimez les beaux dessins, Arcane, c'est à voir. Hein. C'est toujours sur Netflix ? Oui. Oui, bah c'est Netflix. Je crois que c'est coproduit par Netflix. C'est français. C'est un studio français qui l'a dessiné. C'est quand même assez art, ça dépend vraiment. Ça dépend. Vraiment des paroles violents et tristes, mais il y a une forme de refus de société et une histoire que je trouve belle malgré tout. Alors je sais pas du coup de quoi il parle. Si Ago ouais. Il parle du cyber de cyberpunk. Ouais. Arcane, non, c'est un univers, c'est pas du tout un univers. D'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé la date de la saison 2. Arcane. Ils ont prévu une autre saison ? Oui, mais ils avaient dit qu'ils prendraient le temps qu'il faudrait. Que ça serait pas. C'est pas ce que c'était il y a plus d'un an. Mais qu'ils étaient en mode on prépare un an après. Déjà, la première saison, ils ont mis. Arcane, ils ont mis. Arcane saison 1, ils ont mis 4 ans, 3 ans à la faire. Ah ! Mauvaise nouvelle des gosses. Ah, trop bien. On va savoir s'ils sont bien pendant petites vacances colo. Il reste tout le corps à faire, tu vas vachement en détail de ce visage, mais il faut encore faire la guirlande, le corps et tout, non? J'avoue. Je vois l'heure qu'avance et je suis en mode oula. Ce soir, on dessine tout seul, a dit Nico. Là, elle rajoute pas trop d'éléments, mais... J'ai perdu les deux habituels. C'est quoi les deux habituels? Mais ouais, après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'adore, mais en fait, j'aimerais vraiment pouvoir le voir, Arcane. Arcane ou Arcade ? Arcane. 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 Mais en fait, dès que c'est trop lourd, moi, j'arrive pas... En fait, je ne sais pas prendre de distance avec ce que je regarde. Et du coup, bah, je peux être très, très mal, quoi, derrière. Je me souviens d'un film... qu'on avait regardé avec Sam, hein, où je l'avais regardé, non, je l'avais pas regardé toute seule. C'était Benjamin.
Button. Ouais, pareil, ouais. Je l'ai pas vu. Un jour, j'ai regardé Benjamin Button. J'ai trouvé, mais absolument magnifique. Sauf que quand le film s'est terminé, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Et genre, j'ai eu trop de mal à m'endormir. J'arrêtais pas de pleurer. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Je pleurais encore tellement. Et c'est le problème, c'est, ouais, c'est de pas réussir à mettre de distance avec ce que je regarde, quoi. C'est, je vis le truc, je suis le personnage. Donc ouais. Du coup, ça fait qu'il y a certaines choses que je ne peux pas voir. Il y avait eu un autre aussi qu'on avait regardé, tu te rappelles, avec un jardinier, Sam? Pareil, je m'étais mise à pleurer. Elle m'a dit avec mon jardinier. C'est ça. Je me rappelais plus le titre. Ouais. Oui, comme pour le visage, on est parti dans les détails alors que c'est pas fini. Ça sent la gomme et hop, on va tout gommer et dessiner un dragon pour le nouvel. Qui c'est qui dit ça? Stéphanie. Chiche, Stéphanie, je vous mets un dragon du coup. Encore un. Non, mais il est. Il est déjà battu dans le cadre. Non, mais on n'est pas obligé de faire le bas. On va juste faire les bras et les guirlandes. Donc. Ensuite, on a fait nos bras comme ça, on avait commencé, hop. Attends, j'aimerais bien faire pareil, j'aimerais bien faire un truc un peu, vous voyez, des grandes manches, quoi. Bah, elle est où la gomme que j'ai fait? C'est toi qui as pris ma gomme? Ouais, c'est celle-là que tu m'avais mis devant moi, c'est ça que tu cherches? Ah non, elle est par terre. C'est pas toi. Je vais essayer de faire des très grandes manches comme ça. Je me dis, ça peut être chouette, des grandes manches. J'ai eu ça pour Antarctica. Ah, je l'ai pas vu, je crois. C'est ouf, hein, quand tu sors d'un truc et que, mais genre, tu pleures, t'arrives pas à t'en remettre. J'ai vu ton film, c'est pas lui qui devient enfant ou un truc de style. Ouais, ça, c'est, Benjamin Button. Isabelle n'avait pas répondu parce que c'était interrompu par son mari. T'avais entendu ma question du coup? Non. Je te demandais si qu'est-ce que c'était le film pour toi le thème pour toi la thématique de ce film? De cette série. De Love and Anarchy, pour toi, quel thème ça met en avant? Là, j'ai fait une manche un peu grande là qui descend comme ça, et là ici, je la fais replier, comme si elle avait glissé le long du bras. Celle avec les motards. Hein? Il paraît pas la même chose, je crois. Ah non, il n'y a pas de motard, moi, dans la série. C'est Love and Anarchy. Attends, avec des motards, il y en a deux. Il y a une fille et l'autre, c'est... Il n'y a pas plus de ça avec des motards. Non, attends, avec les motards, c'est, tu sais, ce qu'on a commencé à regarder, mais on n'a pas fini, parce qu'il y a une tonne de saisons. Que même Mimi et Nana, elles ont regardé avec le mec. Là. Riverdale? Oui, Riverdale. Tu confonds pas avec Riverdale? Oui, j'aurais jamais retrouvé le nom, je crois. Du coup, je m'épate. Tu peux. C'est Son of an Anarchy. Ah, c'est ouf! Mille excuses. Mais du coup, ah, c'est drôle! Sun, c'est quoi? C'est soleil, le soleil de et anarchie. Moi, je suis pareil que toi, alors je ressens tout. Alors, j'ai beaucoup de mal avec la télé. Il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à regarder et même lire. C'est pareil, certains livres me mettent dans de tels états qu'il me faut 3 jours. Ouais, pareil. J'ai l'impression que même en lecture, c'est un peu moins le cas. Si. Tu te rappelles pas qu'il y a eu une période, j'étais super mal, et tu m'as dit, mais il faut que tu arrêtes de lire ce bouquin. J'en ai pas eu conscience tout de suite. Ah, ah ouais.
Et en fait, c'est Sam qui m'a dit non, mais ouais, je sais plus trop. Et en fait, on a capté que c'était à cause du livre, en fait. Et c'est vrai que c'était le livre était très très lourd. Le personnage principal, il prenait cher tout le temps. Enfin. Et c'était que tu fais plus gaffe parce que tu choisis en nouvelle lecture. Oui, voilà. Celui-là, c'était ma mère qui me l'avait passé. Ah non, c'est pas Sun, c'est Son. C'est enfant. Alors. Comment ça? Son of Anarchy, c'est l'enfant d'Anarchie. Mais non, Son, c'est Soleil. Non, c'est Sun, Soleil, avec un U. Ma chérie. Son, c'est enfant. Ah ouais, Soleil. Son, c'est un enfant? Alors ça, je savais pas. Fils du Soleil, ouais. Fils, Son. Le fils de l'anarchie. Pas fils du soleil, n'importe quoi. Le pire pour pleurer, c'est Lyon. Moi, c'est quand je suis allé voir Titanic au ciné. Tout le monde est ressorti en pleurant sans pouvoir parler. C'est un truc de fou. Mais Bambi, quand j'étais enfant, horrible. J'ai beaucoup. En fait, je sais que. Les Disney avec des animaux aussi, je peux pas. Qui du coup, ça y est, sur YouTube avec le décalage, tout le monde en mode. Son, c'est fils. Antarctica, c'est une sorte sur des chiens qui restent sur place car le maître ne sait pas les reprendre tout de suite. Il les laisse presque un an seul sur place. Voilà, dingue comme histoire. Et donc, Son pour fils, Son pour soleil. Ah ouais, ben ça, ouais, je crois que c'est encore pire pour moi, les films avec des animaux. Oh là là. Le fils du soleil, c'était mal, oui, c'est ça. J'ai pas compris le film. C'est une. Un vieux animé. Ah. Dans le générique, il y a un truc genre fils du soleil. Oula, j'ai pas l'air du tout. Mon Dieu. Dans ma tête, il y avait l'air, quand j'ai dit en voix, il y avait plus l'air. Fils du soleil, popolo popo. Mon Dieu, dans ma tête, il y avait l'air. Oh, puis là, maintenant, il n'y a plus du tout. Donc là, je suis en train de lui faire un t-shirt avec plein de plis, en gros. Bon, vous l'avez vu, quoi. Donc, hop, j'ai suivi les traits des mains, sauf que j'ai juste fait, ouais, vraiment des gros plis pour avoir un... Pour Pomme avoir de un... Flin, ou Benjamin ou Benji, impossible pour moi. Je suis au bout de ma vie. Et donc, Lyon a prononcé Lion. Ouais, donc en vrai, c'est souvent quand même les histoires avec des animaux qui sont un peu compliquées. Coucou, dur les plis, mais c'est très beau. Tu peux expliquer, s'il te plaît, je vous rejoins. J'étais sur Facebook, ça marche mieux pour moi ici, Mélanie. Ah oui, c'est sûr que c'est pas facile. On est en train de dessiner plein de trucs et après, il va falloir gommer pour parce qu'il y a la garante place devant. Hein. Mais non. comment je peux t'expliquer Encore pour les plis soleil. Non. Donc en gros là j'ai fait un... Tu fais un col comme ça. Ici tu pars un petit peu loin jusque là. Et en gros d'abord commence par faire un trait comme... Enfin tu vois au début j'ai montré on fait une espèce de lune. Et Lyon, il n'y a pas d'animaux dans le film. Ah Lion. Du coup il y a quoi dans Lion? Et ensuite, là, tu vois, tu vas venir faire les plis, tu vas venir ajouter les plis après, dans un deuxième temps. C'est pas des animaux, mais une histoire vraie d'un enfant qui s'est perdu en Inde. Oh, ça doit être chouette, ça. A priori, très très triste, genre. Ah. Tu sais, c'était la thématique. Mon Dieu, quel poisson rouge. Donc en gros, une fois que t'as fait ta forme de contour, t'as plus qu'à derrière venir faire des vagues à l'intérieur, tu vois, des trucs, des traits un peu comme ça. Et ensuite tu ombres un petit peu. Et ça donne la sensation de pli.
On va finir par un personnage qui a les bras en l'air. T'arrêtes d'être méprisant comme ça. Faut vraiment regarder ce film, il est magnifique, mais tu pleures. J'ai pas envie de pleurer, je vous avoue. Voilà, j'ai du mal à mettre devant un film. J'ai envie d'avoir des bonnes émotions. Je trouve qu'en ce moment, il y a trop de raisons de pleurer. Alors, à la télé, je veux des... C'est pareil, j'ai un copain, il a fait un très très beau spectacle. Hein, il est magnifique, son spectacle. Mais le problème, c'est que c'est un peu lourd, quoi. Enfin, en ce moment, on a envie de rire, quoi. Moi, en ce moment, je suis à fond sur Paul Mirabel, vous voyez. Bah là, on se marre. Du coup, j'explique rien du tout. Ici, on fait notre bras qui sort du t-shirt. Et là, on va faire... comme un triangle, ok. Attends, je vais gommer pour vous expliquer mieux parce que... Donc, on ouvre de chaque côté. Ici, on va faire un trait comme ça pour montrer que le pouce revient. Et ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Là, c'est les doigts qui sont repliés en fait pour tenir la guirlande. C'est frustrant comment c'est trop beau quand tu fais toi et que quand je fais moi, ça ressemble à rien. Tu trouves que c'est trop beau, mon amour? Merci. Bon, en tout cas, je prends ton compliment, ça me fait grave plaisir. Je crois que je dis ça et je crois que j'ai une réussite. Tu veux dire que peut-être le fait que j'ai un métier d'illustratrice, ça m'aide un peu? Alors ça... Ouais, peut-être que finalement c'est ton métier. Finalement, je suis peut-être faite pour ça quand même. En fait, la main, je viens de réussir, mais elle va pas du tout avec le bras. Elle est toute petite. La main est très belle, mais elle est toute petite. Mon dieu, je peux plus qu'à gommer, cette main est trop petite. Nounouchette qui dit c'est pour ça qu'il faut essayer le yoga du rire. Le yoga du rire. Il y a Rosie Veli qui dit ah oui, j'adore aussi Paul Mirabel, son côté passe sans rire. Ah ouais, non mais il est génial. Et puis même l'homme, en fait, j'aime beaucoup l'homme qu'il est, en fait. Il s'est donné des défis dans sa vie. Enfin, si quelqu'un, c'est un perfectionniste, je le trouve waouh. Mais bon, c'est bon, ça va. Non, tu pleures parce que c'est beau, en fait. C'est pas de la tristesse. Le mec à côté de moi était en pleurs totales. C'est sa femme qui consolait. C'est trop mignon. C'est clair, Sam, ça a l'air facile quand on fait. Et nous, quand on fait, ça ressemble à rien. Et puis l'autodérision, c'est rare. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté autodérision qui est génial, quoi. De l'assumer comme ça. Et donc, de l'autre côté, bah, on fait la même chose. En inversé, quoi. En miroir. Donc, hop. Donc là, du coup, on va venir... Bah, pareil, on ouvre. Alors, on peut regarder aussi, vous voyez, là, le bras, il fait cette taille-là. Donc ici, il faut faire à peu près la même taille. Voilà. Donc, c'est à peu près bon, là où je suis, pour faire la main. Parce qu'il faut, ouais, il faut être à peu près au même niveau. Donc là, on remonte, on fait un autre triangle comme ça. Ici, pareil, on revient avec le pouce là, comme ça. Et ici, hop. On fait nos petits boudins. C'est quoi qui fait ce bruit? Je sais pas. Disque dur, ça je sais pas, c'est bizarre.
Voilà, ça marche pas ce côté-là. Ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai? Ok, une bison, un poignet. Ça marche pas du tout. Ah, j'ai pas fait de dans le bon sens. Ah oui, si tu fais pas le doigt dans le bon sens, ça marche moins bien. Ouais, mais moi, symétrie, c'est quel sexy, c'est compliqué. C'est le pouce en haut. En fait, c'est mon inclinaison des autres doigts qui était pas les bons. Ah, ok. C'est pas très chelou. Du coup, on a la chanson en tête. Du coup, tu l'as chopée. J'ai chopé quoi? La chanson. Bah ouais, je la connais en fait. Voilà. Le bruit, c'est le vent dans mes persiennes que tu entends, alors. Ça fait un bruit, on l'entend jusqu'à Limoges. Trop drôle. Donc voilà, ici on va quand même juste dessiner un petit peu un t-shirt qui dépasse de sa chemise comme ça. Je ferais bien un petit truc à rayures qui dépasse en dessous. Moi j'attends de voir ça, c'est bien. Cette viande de stress. Ah ouais, il faut pas mon tout. J'ai pas envie de dessiner plein de trucs et de voir tout gommer parce que il y a la garande qui passe dessus quoi. Alors on gomme tout. Non, regarde, il y a plein de façons de faire. En fait, la guirlande, tu peux la faire genre comme ça parce qu'elle est en train de voler. Tu peux la faire comme ça si tu veux qu'elle soit courte. Tu peux même la faire en l'air. Tu vois, tu choisis en fait. Tu fais un premier. En fait, en gros, tu fais un trait là où ça te plaît. Alors du coup, même mon fil de guirlande, j'ai bien envie de lui donner un côté un peu comme les cheveux. C'est-à-dire pas rond. Vraiment en mode... Voilà. Et du coup, par-dessus... Alors moi, là, je vais juste gommer les deux petits endroits. Donc, j'ai fait en sorte que le fil, il aille pas trop là où on a tout dessiné, mais un peu en dessous. Et ensuite, sur cette guirlande, eh ben, on va mettre plein de petits cœurs. Eh oui! Alors, help pour les mains, tu peux réexpliquer. Ah. Je hais les mains, je vais faire des moves. Hélène qui dit dessiner des mains cachées par la main de l'or. Attends. Du coup, pour les mains. Nick. 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 En gros. Je vais le refaire sur un autre papier. Donc pour la main, t'as ton bras là, comme ça. Ah non, si je dessine pas... T'as ton bras là, comme ça. Ok. Ici, tu vas avoir le poignet. Tu vas repartir comme ça de chaque côté. Tu vois, tu fais hop, tu ouvres. Vers le haut, t'as le pouce. Donc ici, tu vas faire...
tu vas faire un... Tu vois, tu vas faire un triangle. Comme ça. Et là, tu vas venir mettre l'épaisseur et redescendre comme ça. Ensuite, ici. Donc, tu vois, quand tu tiens un truc, tu as la paume. Donc là, tu vas dessiner la paume. Là, voilà. Et ensuite, ici, tu vas faire 1, 2, 3. Là, tu fais 4 boudins. 4 saucisses. Voilà. Et ensuite, ici, tu vas revenir faire comme ça, par-dessus. Comme ça. Et là, celui-là, tu vas le ramener un peu plus comme ça. Et ici, tu n'as plus qu'à mettre ta ficelle. Oh, il y a le chat qui fait... Le chat qui fait sa toilette, ça m'endort. Voilà, et du coup, bah, il faut mettre les petits cœurs sur la guirlande. On peut en avoir qui sont au bout de ficelle, d'autres qui sont collés directement dessus. Mais je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées super jolies. Du coup, les cœurs là qui sont devant, je trouve que ça marche pas très bien. On va les faire un peu différemment. Donc, un peu plus grand. Ici, on va faire un qui est suspendu à un fil. Hop. Du coup, là, je vais donc j'ai dû gommer un peu pour refaire mes cœurs un peu mieux. Donc, je vais venir redessiner ce que j'avais en dessous. Et voilà. Et là, on va juste faire le départ du pantalon, mais sans le terminer. On va pas la faire entière. L'important, c'est elle qui tient sa guirlande. Et voilà. Comme ça, les gars. Ben, c'est fini. Ben, allez, c'est long à faire, les gars. Il est quelle heure? Je sais pas. 22h30. Bon bah on va dire du coup ouais qu'on a fait le dessin de la Saint-Valentin. Hein. Oh c'est quoi ça? Mamzla-Basses Loisir a lancé un raid avec 21 spectateurs. Merci Mamzla-Basses Loisir. Un groupe de 21. Waouh, coucou le groupe de 21 de Mamzla-Basses Loisir. Coucou Stéphanie, première fois sur le chat. Oh, il y a même Oraloa qui est là. Eh, coucou. Stéphanie vous suit. Du coup, tu faisais du DP en même temps, Mac?
Coucou Wayton. Bonsoir, bonsoir. Eh ben nous on est sur la fin là, on a quasiment fini le dessin qu'on était en train de faire et on va bientôt regarder toutes les œuvres de tout le monde. Merci beaucoup pour ton raid, Mamzelle et ses loisirs. Je regarde Pauline sur son live en travaillant. Ouais, c'est trop classe. Tu fais quoi de beau là ce soir du coup? Catéline, je sais pas si ça se dit comme ça. Coucou, merci d'être ici. Alors du coup, vous étiez en train de faire quoi? Chacun faisait son DP, vous faisiez tous la même chose. Lancement de nouveaux pixels ou bidons hein, de ta collection. Trop cool, trop bien. Elle est magnifique cette Miss, je la visualise très bien sur un coupon. Merci Florence. J'ai envoyé mon dessin, pas vraiment satisfaite, je le referai en replay pendant mes congés. Ça roule, mais merci de l'avoir envoyé, comme ça on va pouvoir regarder ça. Grâce à moi, vous allez avoir la version Wish du dessin de l'or. Ah, hâte de voir ça. T'as fait une sorcière alors? Mais non. Ah, Wish le... Le site de commerce chinois, la contrefaçon quoi. Ah, j'avais pas compris. Parce que Wish c'est aussi le... C'est aussi le dessin animé qui est sorti, non? Oui, potion oui, magique. Trop cool. Tu sais déjà ce que c'est, toi, Mamzelle et ses loisirs. T'as une avant-première. Ah non, pardon, excuse-moi. Je suis à la masse. Non, non, c'est ce que vous faisiez. C'est trop bien. Tu mettras des photos sur Insta. Caro Colo, elle a envoyé le lien du dessin. Ago qui met non, lol. Je vais ouvrir au chat qui est en train de gratter à la porte. On va faire la lune quand même derrière. Bon, j'ai un problème d'œil. Vous voyez, cet œil-là, il est trop haut, en fait. Ou alors, c'est celui-là qui est trop bas, je sais pas. Mais en gros, il faudrait que j'en gomme un pour les remettre les deux à niveau. Mais je vais pas faire ça maintenant, parce que sinon, ça va retarder, et ça m'est très fatigué. J'hésite. Est-ce que je prends celle-là, ou est-ce que je prends celle-là? Alors, après, tant que les gens, ils affinent leur dessin, je corrigerai bien, c'est pas gênant. Oui, c'est vrai. Je suis super hésitante pour la lune. Est-ce que je la fais là ou est-ce que je la fais là? Oh, pas mal. Hop. Alors, je vais essayer de refaire mon œil. Mon raid a bugué. Oui, il y a un second raid qui est arrivé de deux personnes. Ah ouais? Trop drôle. Ouais, est-ce que ton premier est arrivé avec 21 et ouais, t'es revenu avec 2? Il y a eu un double raid, mais le second était moins... Il y a eu plus de monde sur le premier. Il y a eu deux retardataires. Non, non, c'est le Pixel Hobby qui sort. Ah, Monsieur Oralea l'a annoncé ce soir. Ah, ok. D'accord. Je comprends tout. J'ai cru que j'avais dit n'importe quoi, mais non, en fait. Et du coup, alors, tu m'as pas dit lequel tu faisais ce soir en Diamond Painting? La version très très bas de gamme de ton dessin. Arrête, je suis sûre qu'en plus... Oh, regarde, on dirait des lunettes de soleil. Ça m'a fait peur quand j'ai vu le dessin sur l'écran, en fait, sans les yeux. On dirait qu'elle porte des trucs de Apple, la Vision Pro d'Apple. Je dirais l'œil trop. Bah, j'ai viré les deux, du coup. On dirait qu'elle a la Vision Pro d'Apple.
sais pas si t'as vu. C'est un truc comme ça. C'est là. Un gros truc comme ça. Et en fait, t'as, dedans, t'as des petits écrans où, où ils filment tes propres yeux pour que les gens puissent voir un peu tes yeux dedans. Oh, c'est space. C'est très chelou, ouais. Ce soir, j'étais sur du point de croix. Ah, cool. Ah, tu fais vraiment de tout, en fait, mademoiselle, c'est loisir. Toujours pas pris de cours de compas, alors. Non. Je ne céderai pas au compas. Allez, moi, je peux prendre une photo de mon dessin. Ça y est. Ouais. Ouais, et puis on va pouvoir commencer à regarder les dessins, parce qu'il y en a déjà qui ont été envoyés. Je vais prendre le mien. Je n'irai pas prendre le temps de... Je le mettrai en couleur de main. Ouais. Je vais voir la taverne. Tiens, le temps que l'heure finalise et que moi j'envoie aussi mon dessin, je vais mettre le lien partout pour envoyer votre dessin. Puis je vais faire le petit topo. Il y a sur la boutique en ce moment, on a donné la date de la prochaine impression de tissu. Donc si vous voulez du tissu, on va en imprimer mi-février. Du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin de tissu, c'est le moment de commander. Vous allez se dire qu'il y a. Mais sinon, actuellement, je bosse sur le chat fleuri en pixels. Ah, génial! Pour ceux qui font de la mise en couleur, sur la boutique depuis un mois, il y a des PDF maintenant en vente. On a fait deux séries. Enfin, Laure a fait deux séries de PDF. Moi, j'ai juste mis en vente. Qui sont disponibles sur la boutique si vous voulez aller voir. Pour nous soutenir. Et vous pouvez nous soutenir, il y a toujours Patreon. La plateforme de soutien ou les abonnements via Twitch. Voilà. Merci. Nous soutenir. J'ai pas toujours pas envie de mon dessin. J'arrive pas à faire chose à la fois. Ça montre que je suis fatigué. Donc la voilà. La potion donc... magique va sûrement rejoindre ma collection aussi. Du coup, j'aime trop cette image. Oh, merci. Ça me fait trop plaisir. Voilà, donc si vous voulez que Sam n'ait plus de trous à ses chaussettes, merci de filer sur notre boutique pour acheter des choses. Vous avez du choix. Pour acheter des chaussettes, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, utiliser votre compte Amazon, enfin votre abonnement Amazon Prime pour nous soutenir sur Twitch, vous abonner sur Twitch. Il y a Sam qui a dit chouette, il m'en faut. C'est quoi qu'il t'en faut? On se donne du tissu. C'est... Ah, du tissu. Ouais, le tissu. Il est pas trop bien. Je l'avais dit, le visage sera gommé. Non, il y a eu juste les yeux. Oui, parce que mademoiselle et ses loisirs, comme t'étais pas là au début, j'ai montré... Sam, il met toujours son pied sur mon bureau quand il dessine. Et j'ai montré, du coup, le trou, le gros trou qu'il a dans sa chaussette. Et du coup, on nous a un peu lâchés en disant que ils allaient nous offrir à Sam des nouvelles chaussettes. C'est un colo qui place des cœurs sur la guilde pour faire la même chose avec une version chaussette trouée. J'adore. Sur des épingles. C'est hyper rigolo. Oui, oh, ça va. J'adore l'idée. Hop, mon dessin est envoyé. Gribouille qui dit merci pour ce live. J'étais pas sûr de le faire car très fatigué. Gribouille de joy. Trop cool. Allez, bah, merci d'avoir été là et de l'avoir fait. Nounou Chat qui dit tu veux des chaussettes avec le dessin de l'or. Et oui, ça pourrait être cool qu'on les regarde en fait, parce que je les ai. Ah, ça okay. Fait plusieurs lives que je fais où on regarde pas les couleurs et c'est un peu dommage. On commence par regarder les couleurs. Ouais, je veux bien que ça t'ennuie pas, mettre un petit peu les couleurs qui ont été faites. Après, on n'est pas obligé de commenter pendant super longtemps, mais au moins que. Alors, on est parti. Au moins qu'on les voit. Donc, on commence par une colo de Delphine. Trop chouette, j'adore. Ça, c'est une des miss. Ouais, c'est la Vierge. Ça, c'est une miss disponible en PDF sur la boutique, donc. Tout à fait. À acheter.
Bonsoir, Jean, c'est pas que je suis trop fatiguée. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je l'avais déjà vu, mais. Ah, quoique, est-ce que je l'avais vraiment vu. Je sais plus. Kika est trop belle, ta mise en couleur. Et. Donc, celui-ci, c'était un qui est offert, que ouais. Vous pouvez récupérer sur Discord. C'est le signe du Verseau qu'on a fait tout. Soit sur notre Discord, soit vous allez sur YouTube, vous trouvez le live ou l'or le colo. Ou l'or est en train de la colorier, et il y a le lien dans la description. Très belle. De façon de l'obtenir. Cette couleur. Ah, sympa. Alors, ça, c'est un des dessins du cahier de coloriage volume 1 qui a été mis en couleur. Et le dé, il est incroyable. Il est très très beau le dé. Donc, de nouveau. Nathalie, waouh. Le PDF offert. Ah, disons, je trouve que sur les versos, vous avez fait des trucs de donc, quoi, on voit les colos bah, dans le live qui correspond à la colo. Faut retrouver la, faut, dans la liste des lives. Dans la liste des lives, il faut remettre la bonne colo et décocher noir et blanc pour l'envoyer. Mais lui des concombres à la place des yeux. N'importe quoi. Oui, c'est flippant hein, sans les yeux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, il est trop beau aussi, Delphine. Oh, franchement, mais je trouve que tout. C'est vrai que tous les colos du Verseau. Je pense que le dessin devait être bien adapté pour du colo à la base. Enfin, je trouve que des fois dans les colos, il y en a qui marchent tous super bien. Je me dis. C'est qu'au niveau du dessin, il doit y avoir aussi un truc qui fait que ça marche vachement bien. C'est pour créer le coloriage. Celui-ci, ouais, il est très beau aussi. Oh là là, les détails que t'as fait. J'ai pas réussi à les faire aussi bien, moi, mes détails. Tu l'avais fait en live, celui-là hein. Ouais, je crois bien, oui. Donc ça, c'est une des illustrations du cahier de coloriage volume 3, en vente sur la boutique. Ouais, j'adore Nicole, je l'avais vu du coup. Et t'as vu, elle a rajouté le décor, les vagues, trop chouette. Celui de Nathalie, wow! Merci, vos dessins sont sublimes, ça fait plaisir. Ta couleur, elle est super belle. Hein. C'est hyper doux. Ouais, tout ça c'est... C'est chouette. C'est avec public ou avec Patreon ça? Non, ça c'est Patreon par contre. Ok. Ça c'était public, c'était la semaine dernière. C'est marrant. Oh, j'ai cliqué deux fois! Oh, vous avez vu celui du Patreon? Non! Ah, ce qui m'embête, c'est qu'en plus... Attends, faut que je renume aussi. Oh là, non, j'ai tout cassé. Ah, c'est pas grave. Vous pouvez aller au magasin d'usine de Maison Brousseau au Car. Ils font de très belles chaussettes. C'est qui Catéline déjà? C'est quelqu'un qui est pas loin de Limoges parce qu'elle connaît. Non, attendez, je vous mets celui-là. Mais par contre, ça m'embête parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai passé plein de dessins. Il est trop beau, j'adore. Ah oui, celui-ci aussi, on l'avait fait en... Ah ouais, j'ai fait plein de lives de mise en couleur, je me rends compte, où on n'a pas regardé les couleurs à la fin, c'est trop dommage. Ah, c'est super chouette, j'adore. Celui-là, je le décoche. Voilà, regardez. Ça, c'est la semaine dernière. Ça, c'est la semaine dernière. Trop chouette, Isabelle. Bon, j'aime un peu parce que sinon. Oui, vas-y, fais. Ouais. Enfin, vas-y, commente. Hein. Oui, oui. Très joli. Très joli. C'est chouette, il y en a eu pas mal de fait. En fait, ça veut dire que l'année dernière, on en avait déjà beaucoup. Du coup, oui. Ça veut dire qu'il y en a eu encore ouais. Énormément dans tes traits. Fun toujours. Oh, merci, Aude BN. Petite tétine, elle est trop mignon. Nounouchette. Oh, choupette. J'adore Nounouchette. Oh, j'adore les couleurs. Et Nathalie, je sais pas si t'as Instagram, mais ce serait cool que tu les partages pour que je puisse les repartager. Parce qu'elles sont très très belles en plus, les colos. Donc celui-ci, c'est un dessin qui est disponible dans un cahier de coloriage. Dans le cahier de coloriage volume 3 aussi.
Et enfin... Oh, avec un peu de couleur, bravo Hélène. Pourquoi à chaque fois il revient ce dessin? Mais parce qu'il est, en tête, c'est le dessin le plus récent. Enfin, le plus vieux plutôt. C'est pour ça qu'il revient à chaque fois. Mais t'inquiète, c'est un gros. Allez, parti pour le dessin du jour. Waouh. Floral de Florence. Il est génial, Florence. On dirait qu'elle a, tu sais, un ruban sur... Bref, un ruban sur la tête. Et il est... moi, j'adore. Il est génial, ton perso. Je suis ultra fan. Bravo, Florence. Celui de Caro. Oh, il est trop rigolo. Ça fait presque une petite bretonne. J'adore. Et puis le petit pantalon, là. Oh, c'est trop chou. Celui de Gabrielle. Et bravo Gabrielle. Et tu sais que sur le coup, j'ai cru que c'était Gogodou, dis donc. T'as fait les cheveux pareils que... T'as fait les cheveux pareils que Gogodou, ça marche trop bien. Et franchement, Gabrielle, t'as assuré. Bravo à toi. Celui de Nathalie. Ah, génial. Il est trop bien aussi. Avec tous ces détails. Harry Potter. Bravo, Nathalie. Celui de Gogodou. Ah, génial. J'adore le gros cœur derrière. Tu sais, j'imagine trop... les couleurs un peu multicolores, un peu années 90. Il est hyper classe. T'as géré, Gogodou. Waouh. Nathalie. Merci pour la soirée. Il est très très beau, Nathalie. Ton visage, il est sublime. C'est chouette, hein. Moi, tout quête. Avec ses petits cheveux sur la tête. Ça fait un peu anniversaire, ça me fait penser à la carte postale que j'ai fait. Je sais pas si tu vois. Mais je vois. Il y a une carte postale et ça m'y fait vachement penser. Trop chouette, Touquette. Merci. Oh, waouh, j'adore. Trop deg, j'ai dû bâcler la fin. Du coup, pas top niveau proportion et finition, mais Poupette pleurait. Eh ben écoute, même si ton visage et ta coiffure sont juste extra, enfin c'est magnifique, Rosine. Il est très 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 beau. Isabelle, elle est marquée dans le live, dans le raid, alors qu'elle était avec nous au début du live. Ah oui, c'est rigolo. Elle doit être sur les deux à la fois, je pense. D'ailleurs, je me demandais, Roselyne, elle a quel âge ta fille? Liline, oh excellent. Trop chouette, Liline. Il est beau aussi ton visage. Hein. ALRBD vous suit. Merci. Je vous suivre. Bonne fin de live. Merci encore, Mamzelle, c'est loisir d'être venue faire un petit tour et de nous avoir emmené ta communauté. Ça fait très plaisir. Bonne soirée. Celui de Mélanie vers son garçon. Waouh, excellent aussi. Ah, j'aime bien le côté... tu vois, elle a fait la version guirlande qui va en haut. Ça marche très bien. Ah, t'as une toute petite, Roselyne, 3 ans et demi. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ta poupette? Elle est où? Patricia. Voilà, excellent, Patricia. J'aime bien tes petits cœurs un peu gris comme ça. Attends, on a déjà vu celui-là, non? Non. Non, j'ai cru. Non, on n'a pas vu. Il y aura un autre homme qui m'a envoyé un clavier aussi, du coup, c'est ma perturbée. C'est de Mélanie. La version fille. Ah, c'est que t'as fait deux versions, d'accord. Ah, donc tu vois, peut-être en fait... J'ai vu le clavier pour la version mec, en fait, et que ça m'a perturbé. Ouais. Trop chouette, Mélanie. Il est super bien aussi en fille. Celui des Grimouilles de Jarry. Ah, chouette. Trop mignon. Bravo. Du mal à s'endormir. Ah, nous, en général, le soir, il y a un rituel de dingue avec les enfants. C'est vrai que c'est pas facile, hein, le coucher. Merci, Clorbédé. Comment tu prononces?
Je vois que c'est ton premier message sur le chat. T'es arrivé avec Mamselle et ses loisirs ou t'es arrivé par hasard? Dis-moi tout. Ça, je suis en train de regarder tous les dessins des gens qui nous suivent en live. Parce qu'on a fait un cours, on a fait ce dessin. Du coup, on a donc tout ce qu'on fait chacun. Donc là, c'est celui de Nicole. Il est extra, Nicole. Franchement, je trouve que t'as fait des progrès. C'est très, très beau. Hein. Bravo à toi. Celui de Catéliane. Oh, Catéliane, elle était là. Oui, trop bien. Bonjour du coup de live. Après, elle a été silencieuse et très studieuse. Il est génial! Bravo, Catéliane! Qu'est-ce qu'il est beau! On est sur accompagnement, l'ordonnissement et allaitement long. Donc, à un moment, même si papa gère, bah, maman manque. C'est quoi accompagnement à l'endormissement? Là, c'est que tu l'allaites toujours, en fait? C'est sûr que quand même l'allaitement, c'est vrai que ça crée un lien super fort. Donc, mais... Celui de Bérangère qui dit merci pour son nom fort sympathique. Waouh, il est génial. Oh, les chaussures, je kiffe trop. Bravo Bérangère, il est trop cool. Et ça va toi Rosine, du coup ça te fatigue pas trop? T'es pas trop fatiguée? Celui de Caramel Doré. Ah, elle a un petit côté rock. J'adore, elle est trop chouette. C'est chouette hein, de voir comment vous avez chacun vos styles et tout. C'est vraiment cool. On est toujours avec elle. Mais attends, tu m'as dit qu'elle avait 3 ans et demi. Elle va à l'école ou pas? 3 ans et demi. Bah, 3 ans et demi, tu vas à l'école normalement. 3 ans et demi. Alors, je suis hyper avec mon âge. Oui, c'est 6 ans élémentaire et 3 ans et demi. 3 ans et demi. Version de Alexandra. Wow. Merci pour cette soirée. Merci à toi, franchement, trop beau aussi ton dessin, il cartonne. En fait, je me dis, tu sais, j'ai mis de l'ombre au niveau des yeux. À la base, j'étais en mode bandeau ou je sais pas quoi. Mais je trouve que ça crée quelque chose d'assez sympa, le fait d'avoir cette ombre comme ça autour des yeux. Celui de Stéphanie. Waouh, génial Stéphanie. Et ben là, on est moins dans quelque chose de réaliste que d'habitude. Je trouve que t'as plus stylisé. C'est hyper chouette, hein. Bravo à toi. Ça marche bien aussi comme ça. Oui, mon chat. Celui de Isabelle. Non, pardon, celui de Isabelle, merci. Waouh, il est trop chouette, Isabelle. Tous ces petits détails, cette finesse et tout. C'est surtout que ça prend du temps le soir jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Oui, elle va à l'école. Et quand tu dis on est toujours avec elle, mais nous, c'est pareil. Hein. Et je sais que je pense vraiment que c'est un bon truc d'être là pour l'enfant jusqu'à l'endormissement. Parce que moi, je sais que ça a été très compliqué pour moi, enfant. On n'est pas rassuré quand on doit s'endormir tout seul avec nos peurs et tout. Et on prend beaucoup de temps aussi pour les enfants, pour leur laisser le temps de s'endormir en étant vraiment apaisé en fait. Celui de Rachel. Waouh, Rachel, il est trop beau. Excellent. Côté cartoon. Et 15 ans, hein. Tu gères. Et Sam, il a appris à faire de l'hypnose. Alors à la base, il faisait ça pour moi quand je faisais des crises d'angoisse et on savait pas trop si ça marchait sur les enfants. Et en fait, là, depuis quelques temps, il fait ça sur les enfants et ça marche très très bien. Et il y a eu plusieurs fois où maintenant, même Ellie, qui a 7 ans, il demande à ce que Sam vienne lui faire sa séance d'hypnose quand il a du mal à s'endormir. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup, ton dessin est super comme toujours. Waouh, et ben le tien aussi, il est magnifique, Delphine, t'es trop forte. Bravo. Celui de... Nounouchette. Oh, excellent! J'adore son visage. Ah, puis j'aime bien ce côté. J'aime beaucoup ton style, Nounouchette. Bravo à toi. Bonne soirée, Bérangère! Merci d'avoir été là.
Waouh, excellent, Brosselia. Il est très très sympa. J'aime beaucoup les cœurs, tous un petit peu différents comme ça et tout. J'aime beaucoup la position de ton visage aussi. Bravo. Et le dernier dessin, celui de Delphine. Bah, pourquoi on l'a vu deux fois? Ah, c'est qu'elle a dû mettre. Merci pour ce dessin. Bonne soirée, Laure et Sam. C'est ma deuxième version. Pour les pieds, je les ai refaits. Je n'aimais pas la première version. Oui, tu les as fait plus droit du coup. Et puis, tu as mis des ombres. C'est hyper chouette. Et ben, franchement, bravo. Et on a eu plein de dessins. En plus. Stéphanie qui nous a envoyé un colo. 1985 2085. Là, je vous ai oublié de vous montrer. Excellent. Ah, c'est énorme. C'est une tronche. Hop là. Et voilà, nous revoilà. Ah, il n'y a plus le chat YouTube. Oh, c'est dommage, il n'y avait pas le chat YouTube pour les commentaires. Ah mince, parce que vous avez eu plein de super beaux... Vous avez eu plein de beaux retours, ceux qui sont sur Twitch et sur Facebook. Ouais. Ben, on peut vous dire que vous avez eu des très beaux messages, mais du coup, vous ne les avez pas vus parce que le chat, c'était... Il faut que je fasse la demande à YouTube pour avoir mon appli soit de façon officielle. Ça va prendre du temps. Oui, c'est génial. Du samedi 13 juin 1985, retrouvé à Noël chez ma maman. C'est rigolo hein, de retrouver des choses comme ça. J'aime bien, vraiment la caméra, on a ni toi ni moi. Tout est dans le chat, moi je suis. Faut se rapprocher. Eh bien, merci beaucoup pour cette soirée. Franchement, on a été nombreuses. Mmh. Et vos dessins étaient mais juste trop trop chouettes. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé vos dessins. C'était hyper cool. C'était cool aussi de voir quelques les colos que... Et puis en plus, je vois que les colos, vous en avez envoyé moins, en fait. Parce que, comme je ne les regarde plus, vous ne les avez pas envoyés. Donc... T'as toujours eu moins de colos, c'est aussi pour ça que tu prends moins de... Oui, c'est vrai que j'y a souvent moins d'envois de colos, c'est vrai. Et du coup, ça te... Je pourrais faire des séances de temps en temps, visu... Des colos... Mais du... De... Il est temps que j'aille me coucher. Je vois ce que tu veux dire. Prendre le temps de regarder les colos. Merci pour la soirée encore une fois en famille. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les trucs. Je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous ce soir. Bravo pour vos dessins. Et puis, je vous dis. À très vite, salut. Thank you.
Thank you.